coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 29, il est bientôt minuit, donc en fait on est bientôt 30. Et un petit tuto parce que je range une pochette vite fait. Et dans la pochette, j'ai trouvé plein de bouts de chute comme ça, qui font à peu près toutes la même taille. Je vais vous dire tout de suite ce qu'elles font en taille. J'allais y jeter, puis je me suis dit, mais non, 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 non. Elles font 8 sur 7. On a peut-être, elles font 8 sur 6,8. Enfin, voilà, c'est à peu près. Et il y en a quand même un bon pactole. Pas sûr, mais... Donc, je vais venir créer en fait des petites étiquettes comme des petites cartes un peu de visite. Je vais juste vous en montrer sur une. Je ne vais pas toutes les écrire. Donc bah moi je m'appelle Audrey quoi. Donc avec votre nom. Ensuite bah, vous pouvez mettre votre adresse. Je me jure. Adresse mail, admettons. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Son téléphone. Vous avez une chaîne comme sur une ATC, vous pouvez mettre le nom de votre chaîne. Et puis voilà. Adresse, numéro de téléphone. Mais voilà. En gros, hein, je vais pas mettre pour de vrai. Ah putain, mais je suis pas penché, excusez-moi. Personne ne sait. J'ai pas écrit pour de vrai, mais j'ai mis Jura. Hein. C'est pour vous montrer. Voilà quoi. Vous pouvez glisser quand vous faites une. Quand vous envoyez un courrier, si vous voulez un retour. Vous en glissez une dedans. Enfin voilà. Du coup, on a dit que ça faisait 8. Je me rappelle déjà pas si c'est dans la largeur ou dans la longueur. 8 et là elles font la 17 et là je vais prendre ma mesure d'ici là ça fait là, tout pareil, c'est à peu près pareil, manière. Ça fait 1,3. J'ai un petit bout de carton, il fait 1,5 sûr, mais il fait pas 1,5 partout, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je vais vérifier tout de suite. Ouais. Plus grand, c'est pas grave. Donc, il fait 1,5 sur 9. Hop. Je vais juste retailler à peine ce que j'y vois, ça m'énerve en fait. Voilà, mieux. Hop. Et on va prendre un bout de carton qui fait. Ouais, il vous en faudra deux, pardon. 7,5 et. Attendez, non mais je suis vraiment une grosse. Hop, on y a comme
comme ça. Et il nous en faut un deuxième. De la même taille. Pardon, attendez. Faites pause, j'oublie un truc. Hop. Je suis allée chercher. C'est du scotch pour les peintres. Vous savez, pour calfeutrer. C'est pas du double face, ça. Hein. Laissez à peu près entre les cartons, les trois cartons, vous laissez à peu près, je vais vous dire tout de suite, 0,5. Ouais, 0,5. Ensuite, je prends mon scotch, d'accord. Je me suis fait mal. C'est dingue, j'ai ça avec ces scotchs. Tout simplement mettre ça comme ça là, hop, le tenir, hop, hop, je retourne, je m'enlève un peu parce que c'est ultra grand, ça n'a rien à voir à taille non plus. On marque un coup les plis, comme si on faisait un album, sauf que c'est pas un album. Ouais, ça vous donne quelque chose comme ça. D'accord. Pas mal. Hop. Je vais marquer aussi mes plis de ce côté. Alors, je vais taper un peu dans mes chutes. Non mais tout à l'heure je fais rien. Enfin, si j'ai fait quelque chose, mais en gros je fais pas de vidéo, je tousse pas. J'attaque la vidéo, je tousse. C'est un truc de malade. Donc je fais des morceaux de tapisserie. Donc je vais venir en couper un morceau. Je vous montrerai après. Parce que j'ai pas trop de place là. Bien sûr, j'ai pas enlevé mon four pour un meneur demain. Je vais me lever tôt, quoi. Faut que je me couche à 5h du mat, quoi. Mais plus tôt, j'y arriverai pas. Je vais me fixer genre 2h30 maxi. Au lit. Parce que en fait là, ça fait quand même 2 matins que j'entends pas le réveil, quoi. Donc, ça craint. Donc il est comme ça. D'accord. Donc, je vais essayer de faire en sorte. Okay. Putain. C'est possible. Je vais recouper au massif gauche là. Ça soit droit, mais je serai là. Hop. À peu près droite, ça serait mieux. Ça m'énerve, ça me gonfle violemment, je dirais même.
j'arriverai pas. J'arriverai pas à parler, je crois. Ça. C'est un truc de dingue. Ah, je vous promets. Je vais venir coller. Je crois juste pour que ça sèche. Je vais faire en une fois, on verra ce que ça donne. Je sais pas trop où me prendre la tête ce soir, je me suis déjà payé une journée de merde. Tac. J'en colle bien, mais ça va. J'aurais dû prendre un. Merde, comment ça s'appelle ? Mon chiffon, il est là, hop, super. Je vais venir y étaler. De toute façon, j'ai peur que ça gondole. Hop. J'étale, hop. Bien. Hop, on étale bien. Ensuite, je prends mon papier, je choisis bien les fleurs dessus. Là, je prends mon petit chiffon. J'adore le papier peint pour faire les couvertures. Franchement, ça va trop, trop de la balle. Je suis désolée, je mange un petit peu en même temps. La dalle. Je prends mon ciseau. Est-ce que j'aime ça un petit peu ou pas? Je vais laisser un petit peu sur le côté là, tu vois. Là, je vais la couper au ras. Parce qu'en plus, vous voyez, je ne peux pas couper comme il faut sur mes traits. Donc, là. Ça a foiré. Je ne sais pas pourquoi, par contre. Là, je coupe au ras aussi sur mes côtés. J'ai décidé, hop, hop. Hop. Pareil de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il est déjà plus droit, lui. Bref, bon. Grave, c'est pas grave. Hop, je vais reprendre ça. Je vais marquer mes plis encore une fois. Je la marque là aussi. Donne quelque chose comme ça. C'est pas mal, hein? C'est joli. J'aime bien. Là, l'intérieur. Je vais le mettre par là. Un petit peu la fleur. Hop, allez, je mets ma colle. Pareil.
Ah, si je mets ma colle. Chouk. Hop. Ça me fait ça, là. Je ne sais pas. Problème résolu. Hop, je viens par comme tout à l'heure. Je viens direct aller ma colle partout. Hop. Ce que vous entendez, c'est le truc à pétrole. Alors ça double, moi je peux pas y blairer, hein. Sans déconner, les gens qui se chauffent tout l'hiver avec ça. Moi je retire mon chapeau, hein. Franchement, j'ai l'impression que ça vous laisse le goût dans la bouche, que ouais, je sais pas, c'est moi qui est trop, je sais pas. Mais ouais, voilà quoi. Je sais pas comment ils font, ils sont bien faits les gens, franchement, ils sont bien, bien faits. C'est de me mettre un rat là. Et en bas au moins pour éviter d'avoir à trop couper. Tac. Allez, on est bien. Je reprends mon petit chiffon. Hop là. J'y vais. J'appuie. Ensuite, je reprends. Je vais prendre mes plus grands ciseaux. Ça me ferait peut-être moins chier en fait. Et hop, je suis. Je coupe au ras. Là aura également hop oups je prends mon lumière et puis là, hop et je remarque encore ces plis. Plus on marque mieux c'est de son pied. Hop, ça nous donne. On est comme ça, d'accord. Hop, j'ouvre mon petit. Je vous donne ça. D'accord. Ensuite, on va prendre notre pistolet à colle. Alors, là, on serre bien nos... Et on met plein, plein, plein de colle.
faut en mettre beaucoup. Ouais. On prend bien et on vient se mettre là-dessus. Hop. Que ça sèche un petit peu. Je vais fermer. Du poids dessus. C'est surtout du poids là qu'on va mettre plutôt. Tout chaud encore. Je tape un coup. Alors ça a marché mon histoire. Je vais décoller un peu. C'est pas très grave. Merde. Je suis vraiment une poulette, moi. Nickel. Voilà, tout simplement. Il faut attendre que ça sèche bien, je n'ose pas trop l'ouvrir direct. Et voilà quoi. Et elles seront détachées, ah oui, ça se détache déjà celle-là. Donc, c'est pas... une fois qu'il n'y a plus de feuilles dedans, bah, vous gardez votre... couverture, d'accord, et bah, vous refaites des carrés ou des rectangles, ce que vous voulez, qui tient dedans, puis vous refaites une carte de visite. Voilà, tout simplement. Oui, celle-là. Je l'enlève parce qu'elle tient pas bien et que je vais m'en servir à... Voilà, quoi. Ensuite, bah, vous pouvez très bien venir... Ah bah non, on va plus mettre avant, je suis des cons. Après, si vous voulez venir mettre un ruban pour le fermer, vous pouvez... Moi, j'ai pas envie de le faire. Il aurait fallu que je le fasse avant. Ça aurait été mieux. Ah, quoi que... Attendez. Hop. Il faut que je fasse gaffe à ma vidéo encore. Je ne vais pas la perdre, ça me ferait chier. Là. Pouf. C'est un de ce côté. Ça va être plus compliqué. C'est pas grave. Hop. Allez, on met qu'un ruban, d'accord. Hop. Oh, attendez, c'est pas joli ça. Hop.
les... Hop. Et hop. Pas besoin d'avoir une grosse attache. Un ruban qui fait suffisamment le tour et qui repasse un petit coup par là. Tout simplement. Voilà. Vous avez votre petit calepin pour vos petites cartes de visite ou voilà. Si vous voulez juste laisser un petit mot à quelqu'un ou n'importe quoi, hein. Soyez sécure. Donc moi il part celui-là. Il part. Hein. Je le garde pas. Il part pour un courrier d'une des abonnés de la chaîne. Voilà. C'était rapide, c'est très simple, c'est très efficace. Et bien sûr, moi je vous ai donné les tailles parce que j'avais ces carrés, si vous voulez, qui étaient là à rien faire, que j'allais balancer au final. Je trouve que c'est pas si mal de le passer et puis de. Et puis ça va être offert. Mais j'espère qu'elle sera contente. Ma foi, on verra le retour. Donc le colis, je le poste. Les courriers là, je vais en poster. Je posterai que mardi mes courriers parce que j'ai trop peur que ça se perde sinon. Avec le week-end de Pâques, tout ça. Voilà quoi. J'en ai plus à renvoyer donc. Vous souhaite une bonne nuit à tous. Ne faites pas trop les fous. Profitez bien de votre week-end de Pâques. Prenez soin de ceux que vous aimez également. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao, ma YouTube compagnie.